Nous voilà arrivés à Omiya Village, à la station Omiya Village. Donc on est à 400 mètres et on va découvrir ensemble le petit trajet. Alors quand vous arrivez à la station en fait de Omiya Village, il faut tourner premièrement sur la droite, vous traversez la voie ferrée. Et Et ensuite, on reprend à droite, et puis après, ça sera un petit peu plus loin sur la gauche. C'est chouette, il va faire une très très belle journée aujourd'hui. Je pense qu'on va bien en profiter. En fait, c'est très très simple, hein. Vous avez le petit panneau ici qui vous indique que c'est à 580 mètres. Voilà. Donc, vous prenez ce petit chemin, et à 580 mètres, on va y être. Et puis, quand vous voyez par exemple ce type d'arbre, ça vous donne une idée de l'endroit où vous vous situez. Vous allez voir la taille de cet arbre, voilà, ça vous donne une idée. Ok, on va prendre le petit chemin d'accès. T'as vu dans le métro, pas un bruit. Il n'y a personne pas un bruit, qui pas un parle, papier, pas une un papier. C'est hyper propre partout. Et puis le respect, quoi. Y a, les, ouais, gens, ouais, ouais. Les gens, ils s'écartent, ils ne montent pas tant que les autres ne sont pas descendus. Personne ne se bouscule. C'est impressionnant. Pour la petite histoire, j'ai fait tomber une de mes sangles qui était sur mon sac à dos. Je ne l'ai pas vue, hein, elle aurait été perdue. Et on m'a tapé sur l'avant-bras. Il y avait une personne qui était derrière moi qui m'a tapé sur l'avant-bras, qui m'a fait un petit signe et donc, pour me dire que j'avais perdu quelque chose. Et elle me l'a remis spontanément. Par contre, vraiment, c'est super bien indiqué, mais c'est écrit en tout petit. Donc, il faut se rapprocher des panneaux si vous n'avez pas de lunettes ou quoi, pour bien lire où c'est que vous allez. Et franchement, il n'y a pas de, Bon, là, il n'y a pas de commence à souci. me plaire. Depuis hier, je dis à Fabrice ce que je veux, moi, c'est sortir de Tokyo, me retrouver dans la campagne, dans les petits villages, dans les petites rues. Et là, je suis servi. Hein. Alors, comme vous pouvez voir, c'est très arboré. C'est vraiment. Par exemple ici, petite maison. Petite maison, moinguées les unes dans les autres, pas beaucoup d'espace. Ouais. Mais tout est optimisé au maximum. Et allez, on traverse. Et on va se présenter à l'accueil. Bon, ça va, on n'a pas trop de retard, hein, il est 10h05. Donc c'est pas mal, on s'est bien débrouillé. Thank you.
première impression là dans le muséum? Bon, c'est ce qui me rassure un peu, c'est que on a la même méthode de travail. Oui, on a la même méthode de travail. Par contre, c'est présenté ici. Ils mettent en valeur les arbres avec des qualités d'espace, en fait. Oui. Ils mettent beaucoup d'espace entre chaque arbre. Il y a une table par arbre là, à l'extérieur. Ouais. À l'intérieur, ils sont présentés. Et en fait, ils ont plus de 1 mètre carré chacun d'espace. Hein. Ah, c'est presque 2 mètres carrés d'espace pour chacun des arbres. Chaque arbre, il y a quoi? Il y a 1 m 52 mètres. C'est magnifique. Ouais. Il y a gardien. Hein, le gardien qui est habillé en tenue police, police, il est venu nous voir, il a vu nos passes, pas de problème. Ouais. Donc c'est incroyable, c'est vraiment très très beau. Beaucoup d'espèces, alors des espèces qu'on retrouve en France, il y en a quelques-unes. Bien sûr, le pin blanc ici, le pin rouge qu'on a quand même très peu en France. Et puis, pour ce qui est des feuillus, il y a quand même beaucoup d'espèces que nous n'avons pas. Allez, je vais m'approcher de ce pin blanc. Donc là, estimation de l'âge de cet arbre, 350 ans. Là, pour vous donner un ordre d'idée, le Pinus parviflora. Alors nous, on n'a pas comme ça, des arbres de ce gabarit-là en France, des pins blancs, ils n'arrivent pas à tenir aussi bien et dans le temps, donc c'est incroyable de les voir ici aussi vieux, quoi. Chimpaku, et le style, c'est un moyogi, hein, tout simplement, avec un bois mort là, magnifique. Regardez-moi ce chari extraordinaire qui remonte juste en haut. On peut voir que le feuillage de cet arbre, il est beaucoup plus gros, on va dire, beaucoup plus épais que celui d'un Itoigawa, par exemple. Alors j'en possède un moi chez moi, mais de cette qualité-là, là c'est extraordinaire. Cet arbre il fait environ 1m10, 1m10 de haut, c'est vraiment un très grand arbre. Le pot il est très très sobre. Je suis en train d'observer la branche basse sur la gauche de cet arbre. Elle est quand même très haute finalement. Quand on regarde, nous nos constructions sur les pins sylvestres, ça correspond assez bien. Je trouve ils peuvent faire. En réalité, j'ai l'impression qu'en France, on est devenu plus rigide qu'au Japon. Ouais, j'ai l'impression. Le bonsaï au Japon, dans ce que je vois, correspond assez à ma vision, puisque moi, je fais de l'arbre qui est, avant d'être dans les normes, je dirais qu'il est esthétique. On a du plaisir à le regarder. Tout à fait. J'évite sortir des règles. Je ne mettrai jamais une branche arrière en première branche, alors qu'ici, je l'ai vu. Oui. Je vais encore libérer davantage ma manière de monter mes arbres, parce que, je le répète, ça me surprend, on est devenu... En France, on est très rigide. Tout à l'heure, on a vu un autre pin blanc, parce qu'ils ont beaucoup de pins blancs ici. Oui. Et on voit ces constructions que nous, on réalise également un peu comme ça, c'est-à-dire on part quand même d'assez haut. Oui. Et parce qu'on vient récupérer des branches. C'est du Yamadori, on est obligé de travailler avec la vie du Yamadori. Et on est obligé de s'adapter de s'adapter à lui et de travailler avec ce qu'il nous propose. Quoi. Exactement. Alors je vais m'approcher un petit peu de cet arbre, parce que ici, là, au niveau du diamètre, regardez ma main, la taille de ma main, regardez la taille ici. On va faire au moins 3 fois la dimension de ma main, le nez barré étoilé, une écorce fabuleuse. Ils se permettent beaucoup de choses, ils se permettent de faire de belles choses. Moi j'adore, cette pièce-là est magnifique. Tu vois, cette branche, elle est... Si cette branche-là était supprimée chez nous, on la supprimerait parce qu'on dirait que l'arbre est trop équilibré. Oui, on dirait que l'arbre est trop équilibré. Alors qu'en fait, ici, ils ont gardé cette branche et ils l'ont amplifiée. Ils ont amplifié ce mouvement. C'est un moyogi, mais encore une fois, il n'est pas techniquement comme ce qui est défini. Oui, oui. Normalement, le sommet doit être à l'aplomb de l'arbre. Donc, estimation de cet arbre, le Pantomberg, c'est un pin qui pousse relativement fort, une centaine d'années pour cet arbre. Même s'il est quand même très très gros, très puissant.
Première visite donc du musée de Omiya, franchement, on va dire que extraordinaire. Premier jour, le voyage est amorti quoi. Le voyage déjà. Au niveau de ce qu'on a pris dans les yeux, c'est beau, c'est ça vaut le déplacement. Ouais. C'est en fait ça laisse en voie parce que on a des arbres qui sont multicentenaires, mais sur chaque pièce en fait. Oui. Donc du coup, on passe d'une pièce à une autre et à chaque fois, on est émerveillé. En plus, on arrive sur une belle époque parce que c'est l'automne. Donc oui. Sur les feuillus, on a des couleurs d'automne magnifiques. Oui. Et ça, avec un soleil et un temps magnifique. Il y a vraiment un ciel bleu aujourd'hui. Il fait même très chaud, on oui. peut dire. Hein. Oui, donc bon. Les arbres, on a pu voir une petite séance d'arrosage. Oui. C'était quand même très, très agréable de voir ça. Ouais. On a bien sûr demandé à chaque fois les autorisations. Alors, ils viennent voir les Japonais parce que, bien entendu, ici, on n'a pas le droit de filmer, on n'a pas le droit pas de faire de photos. Photo, ouais. Donc, plusieurs fois, il y a des étudiantes aussi qui viennent. Oui, qui sont derrière nous, qui sont derrière nous en train de manger. Et là. Qui parlaient jusqu'à présent. Et là, on a mis la caméra en route. Donc ouais. Alors, on parle pas fort, peuple, bien sûr. C'est un peuple qui est très, très discipliné. Hein. On n'a pas besoin de demander. C'est vrai. Et donc, c'est vrai. Les plus bruyants ici, c'est nous. Quoi. On a remarqué ça dans le métro. Partout. On a remarqué ça partout dans la rue. Dans la rue. Marche à gauche, les gens, oui. tous. Ouais. Et nous, on a tendance à marcher à droite. Exactement. C'est, dès qu'on est distrait, on revient à droite. C'est ouais. assez phénoménal. Quoi. Oui, on est dans un autre monde, une autre culture. Hein. On n'aura ouais. jamais ça en France. Bon, après, on est nous, urbains. Hein. On ne peut pas comparer non plus. On peut pas... Mais c'est vrai qu'on aime beaucoup. Moi, j'apprécie beaucoup. Hein. Ouais, la rigueur japonaise dans tous les domaines. Hein. C'est ouais. dans tous les domaines, en fait. Hein. Et donc, il faut dire que nous, en tant que Français, on est bien accueillis ici. Hein. Ils nous aiment bien, a priori. Ouais. On a eu toujours des gens qui sont intervenus. Tu as fait découvrir ton espace d'exposition, oui. notamment aux jardiniers qui étaient présents. Qui a osé. Et puis aux gardes aussi. Aux gardes. On a fait une petite photo souvenir avec le gardien. Ils se permettent certaines choses oui. sur des styles particuliers. Il y a même des styles qui sont carrément, on va dire, qui n'existent pas, c'est oui. des styles qui sont plus ou moins inventés. Oui. C'est une adaptation de l'arbre ouais. au bonsaï, mais pas dans les règles telles qu'on les apprend. Ils essaient au maximum de ne pas contrarier ces règles, ouais. mais ils s'adaptent avec. Tout donc une branche arrière qui est la première branche, ils ne vont pas systématiquement la couper, mm-hmm. ils vont s'adapter avec, ils vont ouais. faire en sorte, ils n'hésitent pas à relever pour que la première branche la baisse, et donc on va avoir la première branche qui est plus basse, mais la branche elle est fixée, la branche arrière est fixée plus bas que la première branche. Il s'arrange, ça me plaît beaucoup ça. Hein. De temps en temps, on te reproche de faire le casque, la forme casque, mais ici, on peut voir qu'il y a quand même beaucoup d'arbres ils qui sont ont comme cette ça. Forme, ils sont ah. comme ça, et ils sont construits avec le temps, ça fait des formes comme ça, oui, le casque. Oui. Moi, je me suis beaucoup inspiré des livres japonais, Taïwan aussi, hein, mmh. ils font la même chose. Des branches arrière qui deviennent des branches de devant, c'est... des branches de devant qui passent derrière, ouais. des constructions avec plusieurs troncs. Donc déjà, là, on est... Bon, après un espace magnifique, hyper bien présenté, oui. il y a de l'espace entre tous les oui. arbres. Franchement, c'était un réel plaisir aujourd'hui, cette matinée consacrée donc au musée. Oui, alors si vous venez au Japon, si vous faites du bonsaï, c'est un endroit c'est un qu'il lieu. Ne faut pas rater. Quoi, hein. ouais. C'est un lieu qu'il faut visiter absolument, le muséum de Omiya. Oui, hein. voilà. Et on tenait à travers cette vidéo aussi à remercier donc, l'ensemble des gens qui dirigent ce musée. Alexandre Escudero. Qui a permis cette visite. Oui, tout à fait. Donc, comme je vous dis, on n'a pas le droit de filmer à l'intérieur du musée. C'est une autorisation exclusive que nous avons eue pour Nejikan Bonsai. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, une question. Comme d'habitude, je vous réponds. N'oubliez pas de liker, partager et puis de vous abonner à la chaîne. Voilà. Gabi, on se retrouve très peu. Cet après-midi, ailleurs, le bonsaï, on a 15 jours, c'est le premier jour. On a 15 jours de bonsaï, donc là, on va faire plein de vidéos. On est au maximum, on est au taquet. Allez, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao.